Couvrez Level Up. Level Up est un programme novateur d'apprentissage intégré au travail mis en place par Ripen pour soutenir les entreprises et préparer les étudiants canadiens de niveau post-secondaire à prospérer dans l'avenir du travail. Grâce à Level Up, les étudiants se connectent avec votre entreprise pour réaliser des projets de courte durée et à distance qui aideront votre entreprise à prospérer. Les étudiants canadiens de tous horizons peuvent ainsi acquérir des compétences et de l'expérience. Par rapport aux stages traditionnels, les projets de Level Up sont de courte durée et peuvent être réalisés individuellement ou par une équipe d'étudiants. En tant qu'employeur, vous transformez un de vos défis ou opportunités d'affaires en un projet que les étudiants doivent réaliser en 80 heures sur une période allant de 2 à 8 semaines. À la fin du projet, chaque étudiant reçoit une compensation de 1 400 $ de Ripen. Cela signifie que vous pouvez vous concentrer sur la croissance de votre organisation. Il n'y a pas de paperasse. Démarrez en 4 étapes faciles. Tout d'abord, inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte Ripen. Ensuite, créez un projet Level Up à partir de zéro ou en utilisant un modèle. Soumettez votre projet à notre équipe Level Up. Une fois votre projet approuvé, les étudiants peuvent y postuler et vous évaluer les demandes au fur et à mesure qu'elles sont reçues. Enfin, sélectionnez l'étudiant ou l'équipe avec qui vous souhaitez travailler et démarrez le projet. Voilà! Tous les types d'organisations, où qu'elles soient, peuvent bénéficier du programme Level Up. Les employeurs doivent être disposés à passer un peu de temps avec les étudiants pour les informer sur leur entreprise et répondre à leurs questions afin de les aider à mener à bien leur projet. Il n'y a pas de limite quant au nombre de projets à distance ou d'étudiants que vous pouvez prendre en charge. La prochaine génération de talents canadiens est prête à vous aider. Quels sont les projets qui vous aideront à passer au niveau supérieur?